c'est Wilfred Gifta. Moi, c'est Wilfred Darina. Nous, même dans la CAI, nous l'apprenons de faire bon choix de construire et informer comment vous êtes capable de faire bonne construction. Tant que route, pont, CAI, vous ne citez ça seulement. Mais je veux dire, nous allons parler spécialement des bâtiments administratifs. Ingénieur Geoffroy, d'après vous, qui sont les bâtiments administratifs? Un bâtiment, c'est une construction qui fait pour loger. Capable de loger les gens ou bien les bureaux. Dans quel bâtiment qui loge les gens, vous venez la donne, hôtel, à maison privée. Laissez hôtel, c'est côté un monde ou un groupe de monde choisi passer un moment. Laissez maison privée, c'est côté un monde, un groupe de monde, une famille habité. Comme ça, vous, il y a notre construction de bâtiment qui fait pour notre occupation. Là, dans l'eau, vous jouez un bâtiment administratif. Un bâtiment administratif, ingénieur, c'est un bâtiment qui gagne un ou plusieurs bureaux d'administration. Tant pour public ou privé. Les lits privés, c'est les lits pour un monde ou un groupe. Les lits publics, c'est les lits pour l'État. Bâtiment administratif là pour loger bureau administration avec service à toute mon population. La dernière jeune DNC, la douane, vous citez ça seulement. Bâtiment administratif de l'UDI pour employer activité. Il y a des salles pour recevoir les gens qui viennent chercher des services. Et il y a tout côté pour machines, employés à venir chercher des services à l'activité. Et ingénieurs, il y a bien fait de façon pour les gens qui travaillent à venir qui viennent chercher des services capables de se sentir confortables. D'après ce que tu as dit, le bâtiment administratif, pas de déplacer de votre côté? Non, ingénieur. Ça, c'est ça. Je vous ai dit déjà, le bâtiment administratif, de loger bureau. Et bureau, ça, c'est bureau qui a fait service à l'action. Donc, le déplacer d'un côté qui n'est pas trop éloigné de ville, de façon à ce que, on a un service, capable de un service bien facile. Ingénieur Darina, nous on fait parler en pile. Donc, posons une question. D'après tout ça, nous sommes tous là-haut concernant le bâtiment administratif. Vu que l'importance, c'est le service à une population. Selon vous-même, si vous avez un conseil concerné qui est conçu le bâtiment salarié, qui conseille d'abord la construction ça? Par rapport à ça, nous tout apprendre là, ouais, il y a un pile paramètres pour nous respecter les opérations. C'est ça que fait. Si l'autorité n'est pas construite, vous avez quelques conseils à faire qui est au grand. Un, vous devez respecter tout le principe avec la construction. Deux, construction à construire, vous devez bien aménager. Vous devez placer dans une zone qui n'a pas de risque sismique. 4. Vous devez construire avec bons matériaux. 5. Vous devez construire avec l'argent. Une façon pour les gens qui sont handicapés d'avoir accès pour y aller là-dedans. Vous devez utiliser l'accès entrée et sortie. Une façon, si vous avez une catastrophe, pour les gens qui sont capables de sortir. Dans un bâtiment qui a plusieurs étages, tout
tout bureau qui a bien matériel qui loue veut placer dans la partie qui est en bas. C'était avec vous, ingénieur Jacques Flavel. Ingénieur Darren Alifon. Nous avons informé sur construction bâtiment administratif. Nous avons ce rendez-vous pour une autre rubrique. Nous c'est Génie Lacalle.